cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vinzette qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur tu l'es à chaque fois. Zorro. Sergent Garcia, il y a un ours noir sur la place. Caporal, vous disiez qu'il y avait un ours dehors? Ah oui, oui, oui. Oh, salut mon petit, qu'est-ce que vous faites là? Eh, j'ai oublié qu'il est sourd comme un pot. Allons-y, ouvre la porte, je vais y tirer dessus. Vous n'ouvrirez la porte que si je l'ordonne. Mais il y a un gros ours dehors, il va se sauver. Est-il en passé? Il est allé près du puits. Moi qui rêvais d'une peau d'ours comme des cendres de lit. Caporal, ouvrez la porte. Laissez la porte ouverte! Imbécile, il faut pas la fermer tant que je suis dehors si jamais je le manquais. Le sergent préfère que j'aille avec lui pour faire fin. Ah non, c'est moi qui tirerai seulement. Hein. Vous, amenez vos fusils et venez avec moi. Pour le cas où je le manquerai, faites feu. Thank you.
J'ai appuyé deux fois sur la gâchette, cette espèce de fusil n'a rien voulu savoir. Ben, le mien, c'est pareil. Ah, ça marche pas, il n'y a pas de pétard. Ah, c'est toujours comme ça. S'il n'y avait pas de pétard, ça semblerait pas normal. Caporal. Attendez. Caporal, j'ai vu une fois un fusil qui ne marchait pas. J'ai même vu deux fusils qui ne marchaient pas. Mais j'ai jamais vu dans ma chaîne de vie une telle ribambelle de fusils qui ne marche pas, tous à la fois en plus. J'ai jamais entendu tellement de silence, sergent. Caporal, vous croyez pas que la poudre est humide, peut-être? Elle est pas humide, sergent. Alors pourquoi que tous les fusils ne marchent pas? C'est une poudre particulière, mais elle est pas humide. Particulière? Comment ça? Ça ressemble pas à de la vraie poudre. Et ça n'a pas l'odeur de la poudre. Elle fonctionne pas comme de la poudre. Voyons si elle a un goût de poudre. Eh bien. Je suis pas si sûr. Mais goûtez-la encore, goûtez-la. Eh bien, est-ce que ça a un goût de poudre? Ah ben j'en sais rien, sergent. Je crois pas que j'ai jamais goûté à de la poudre. Ah, bien sûr que nos fusils fonctionnent pas, Babouin, c'est du charbon de bois. Mais comment que ça peut être du charbon de bois? Je venais d'ouvrir une nouvelle barrique de poudre. Et nous avons ouvert une barrique de charbon par erreur, imbécile. On a des barriques de charbon de bois? Si on a des barriques remplies de charbon, bien sûr. Non. Comment un tonneau de poudre à fusil peut se transformer en un fût de charbon? Ah, je sais. Quoi? Une fois, quand j'étais petit, on avait une barrique de cidre. Mais le cidre est trop resté en tonneau et il a tourné au vinaigre. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ben, peut-être qu'on a laissé la poudre trop longtemps et c'est devenu du charbon. Ah. C'est énorme, c'est vrai, Don Diego. Tous, ils avaient très peur, ils voulaient retourner à la caserne. Mais je leur ai dit, faut pas avoir peur pour un ours, car le sergent Demetrio Lopez Garcia va tous vous protéger. Ah, si vous aviez vu ça comme j'ai chassé cette méchante bête, Don Diego, vous pourriez difficilement le croire. Mais je vous crois, rien qu'en vous écoutant, sergent, j'en ai la chair de poule. J'ai toujours voulu une peau d'ours dans ma chambre comme carpette, alors je suis allé dehors. Ah, il s'en fallait peu que je mette la main sur cet ours. Mais pourquoi ne pas tirer sur cette bête? Ça aurait fait un trou dans ma carpette. Ah, je comprends. Sergent, vous me semblez préoccupé. Oh non, Don Diego. Don Diego, vous croyez que la poudre se transforme en charbon si elle reste trop longtemps en tonneau? Oh, bien sûr que non. Qui est-ce qui a pu vous raconter ça? Oh, personne, oh, personne. Oh, voilà donc ce qui s'est produit ce matin quand vos fusils n'ont pas fonctionné. Vous aviez du charbon au lieu de poudre? Mais c'est faux que les fusils n'aient pas fonctionné, ça c'est faux. Et par ailleurs, qui est-ce qui vous a appris ça? Bernardo était là, rappelez-vous. Hein? Don Diego, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Sergent, dites-moi seulement ce qui vous embête. Que notre poudre à fusil ne soit plus de la poudre du tout. Que ce ne soit que du charbon de bois qui ait l'air de poudre. Vous pensez qu'une personne a volé la poudre dans la caserne et mis à la place du charbon? Chut! J'ai promis à mes hommes de ne pas dévoiler le secret. Il ne fallait surtout pas que les ennemis du roi découvrent que nous n'avons presque plus de poudre. C'est la sagesse même, sergent. Ah, c'est pas tous les jours fête quand on fait fonction de commandant, Don Diego. Et je sais à quoi vous pensez, ouais. Sergent. Mais dites-moi... Qui donc avait accès à la poudre? Eh bien, il y avait seulement quatre d'entre nous. Le capitaine Toledano, le caporal Reiss et moi, c'est tout. Mais cela ne fait que trois. Qui est le quatrième? Justement, c'est ce que j'ignore. Et c'est celui qui a volé la poudre. Sergent, est-ce que je pourrais vous suggérer quelque chose? Questionnez tout le monde à la caserne pour savoir si vos soldats ont quelques soupçons ou si quelqu'un a une idée d'où et quand l'opération s'est faite. Vous avez raison, Don Diego. Je vous en prie, excusez-moi, je retourne à la caserne immédiatement pour les interroger. Merci, Don Diego.
Caporal Reiss, entrez, je vous prie. Asseyez-vous. Caporal. Où étiez-vous hier entre 7h et 10h du soir? Répondez. J'étais avec vous. Je ne veux pas de ces alibis. Répondez à la question. Vous vous rappelez pas, sergent? On est passé chez le boulanger, puis j'ai discuté avec lui pendant que vous regardiez partout. Chut! Pourquoi nous dire tout ce que vous savez? Vous me l'avez demandé. Ouais, c'est vrai, alors. Il faut aussi savoir mentir à la façon des gens du monde. Savez-vous quelque chose, sergent? J'ai appris déjà des tas de choses. J'ai appris que le soldat Mendoza a perdu hier soir 14 pesos dans un tripot de brouillard. Et puis que Morales parle dans son sommeil. Et le pauvre soldat Sotelo, il ne dort pour ainsi dire jamais tant il s'intéresse à ce que Morales dit en dormant. Mais en quoi ça se rapporte à l'affaire? Ben, moi, vous n'avez donc aucune jugeote. Tous ces détails n'ont pas d'importance par eux-mêmes, c'est certain. Mais placés bout à bout, alors, on aura comme ça une vue d'ensemble. Ce sera bien d'avoir une vue d'ensemble, selon vous, non? Caporal, je ne sais plus que faire d'autre. On est sans défense ou presque, et on est sans poudre. Le capitaine Toledano m'a confié qu'il y a des ennemis du roi qui attendent pour nous attaquer à tout moment. Cette responsabilité pèse sur mes faibles épaules. J'ai cru avoir bien du plaisir à jouer le rôle de commandant, mais... Vous trouverez peut-être qui nous a volé la poudre. Ah, non. Vous êtes le dernier soldat du poste que j'interroge. Avez-vous aussi questionné la signora Toledano? Oh, non, voyons, elle est la femme du commandant. Mais vous aviez l'intention d'interroger toutes les personnes de la caserne. Et elle, c'est une personne? Elle est une personne, c'est juste. Je crois que je peux me retirer. Oui? Excusez-moi, signora, mais faisant fonction de commandant, il faut que je questionne toute personne vivante à la caserne. Et vous ne faites pas exception. Pardon. Eh bien, que désirez-vous savoir? Si vous avez une idée quelconque, n'importe quoi, si vous avez quelque chose. À quel moment? Si vous avez remarqué un détail? Si vous avez quoi que ce soit qui vous vienne à l'esprit? Je n'ai pas saisi votre question. Dans quel sens? Eh bien, par exemple, au jeu des questions. Des fois, il vous vient une idée. Et ça vous met sur la voie. Non, je n'ai aucune idée. J'y pense sans cesse. Comment se fait-il que la poudre soit sortie de la caserne? Les seules choses que l'on ait sorties par les portes de la caserne, ce sont les grandes caisses que vous aviez amenées et réexpédiées. Je l'ai dit, ce sont les affaires du capitaine Toledano. Et que je n'ai pas de place pour pouvoir ranger ces vêtements dans cette seule pièce. Je les ai fait entreposer à l'hôtel. Maintenant, je vois ce que c'est, signora. Mais c'est bien vrai que rien d'autre n'est sorti de la caserne? Quoi? Vous osez questionner la femme du commandant? Alors on me soupçonne d'être ennemi du roi. Oh non, signora, j'ai jamais cru une chose pareille. Si vous en avez terminé avec cet interrogatoire, sergent, j'irai à l'auberge où je tiens à m'assurer en personne que les affaires du capitaine sont proprement rangées. Ça m'est égal. D'ici très peu de temps, vous verrez que le sergent saura que mes caisses contenaient de la poudre. Nous ne courrons aucun risque si jamais il nous arrivait un malheur avec cette poudre, croyez-moi. Avez-vous reçu des nouvelles de l'aigle? Oui. Il sait que l'autre chargement de poudre est reparti pour les prisons du Nord. Naturellement, il en a été furieux. Vous croyez que ça pouvait lui faire plaisir? On projetait pour notre armée une attaque de prison dans moins d'une semaine. Mais si nous n'avons pas cette poudre, tout sera bouleversé. Et ça peut retarder l'opération sur le trajet de Monterrey à San Diego. On avait bien besoin de ça. Cet imbécile, le sergent, avec sa manie de poser des questions stupides. J'ai toujours fait mon travail correctement. Et l'aigle le sait. Je me charge de vous débarrasser de ce gros sergent, señora. Vous allez le tuer? Il n'y a pas d'autre moyen, señora. Et c'est ma spécialité. Prendre soin des hommes qui veulent barrer la route de l'aigle. Il n'y a qu'un tout petit problème qui me tracasse. Oui? Pour cet homme, il nous faudra creuser une fosse peu commune. Thank you.
Veuillez ne pas faire un geste, Seigneur, sauf de mettre vos mains en l'air. Je vous préviens, mon époux a eu la prévoyance de m'apprendre le jeu des armes. Alors, voici donc Zorro. Et il est tombé dans un piège comme un rat. Comme le sergent Garcia, vous êtes un peu trop curieux pour vous en tirer sans mal. Vous croyez qu'il n'y a qu'une seule place où cette poudre a pu être cachée. Vous croyez pouvoir user de la même ruse deux fois de suite. Permettez-moi de chercher dans ma poche. J'ai sur moi une plume d'aigle que j'aimerais vous faire voir. Tout me porte à croire que votre attitude changera. Vous n'êtes donc pas le vrai Zorro? Laissez-moi au moins vous prouver ce que j'avance. Si jamais c'est une de vos ruses, Seigneur, je vous avertis, vous irez bientôt rejoindre le gros sergent. J'ignore de quelle façon vous avez été mêlé à cette affaire, Seigneur. Mais c'est un affreux complot qui ne convient pas, croyez-moi, à la femme d'un commandant. Vous devriez nous apporter votre aide, Zorro, ne pas lutter contre nous. Ce que nous le faisons pour le bien de la Californie. Par le crime, la trahison, en semant la misère par tous les moyens possibles, est-ce bien cela, servir la Californie? Le peuple est indolent et paresseux, content de lui. Tous ne sont que des moutons, mais notre seul espoir pour la Californie repose entièrement sur un homme fort. Je vous prie de me croire, Seigneur. Quelqu'un vous a monté la tête. Et si vous attachez du prix à la vie, vous m'expliquerez votre remarque à propos du gros sergent. Quelle remarque? Vous ne niez pas que le sergent est fort. Mais que vient-il faire là-dedans? En bas, qu'est-ce qui se passe en bas? Écoutez, je pourrais vous bâillonner avec votre écharpe pour que vous ne puissiez pas appeler. Si je ne le faisais pas, Seigneura, pourriez-vous me promettre de ne pas les alerter avant que je ne sorte? Votre parole d'honneur? Parfait. Je crois en votre parole. À bientôt. À moi! C'est Zorro! Il s'est sauvé par la lucarne de la cave! À moi! Ne faites pas un geste, caporal. Je suis Zorro. Zorro? Où est le sergent Garcia? J'en sais rien, Seigneur Zorro. Où est-il? C'est une question de vie ou de mort. Il est parti avec les señores Quintana et Fuentes. Ils vont l'aider pour retrouver toute la poudre. Il y a longtemps? Peut-être une heure, peut-être bien une demi-heure, j'en sais rien. C'est bon, caporal. Mettez-vous face au mur. Et ne bougez pas avant que vous ayez fini de compter jusqu'à 100, ou je vous coupe les oreilles. 1, 2, 3, 4... C'est à cette place, Seigneur, et c'est là où nous allons trouver la poudre. C'est à cette place, sergent. Et cachée quelque part. Oui, elle sera bientôt là. Je vous conseille de prendre dès maintenant vos positions afin de surveiller la route. Et mieux vaut vous placer de ce côté. Ah, alors quelqu'un va la porter ici. C'est bien ça, Seigneur. Oui, c'est bien ça. Ah. Tenez ici, sergent. Asseyez-vous là. Et soyez prêt à tirer. Hein? Ne quittez pas la route des yeux. Ah, il faut pas que je regarde autre part. Hein? Non, absolument pas. Restez en surveillance. Nous vous avertirons quand une voiture approchera. Ah, une voiture remplie de barriques pleines de poudre, hein, seigneur? C'est exact. Vous croyez que c'est assez loin de la route? Oui, c'est parfait.
On pourra revenir en ville et on dira à tout le monde que la dernière fois qu'on l'a vu, il se dirigeait vers les collines à la poursuite de Zorro. Mais qui acceptera de penser que c'est Zorro qui a tué ce bon gros sergent dans le dos? Les gens pensent toujours ce qu'ils veulent. C'est un homme fort. Un coup ne suffirait pas. Soyez prêts à agir et sans perdre de temps. Zorro. Sergent, c'est un piège. Il voulait vous tuer. Oh non, Seigneur Zorro, vous n'y êtes pas du tout. Ces hommes sont mes bons amis. Ils m'ont fait venir ici pour récupérer la poudre qu'on a volée à la caserne. Ne bougez surtout pas, sergent. Vous leur offrez une trop belle cible. Restez où vous êtes. J'ai sa poudre. Enrique, c'est moi. Sergent, vous savez ce qui m'étonne dans tout ceci? Vous étiez bien trois. Et vous avez permis à Zorro de s'enfuir? Mais on ne voulait pas qu'il s'enfuie, Don Diego. Mais vous ne pouvez pas le croire, j'ai failli l'avoir sous la main. Que s'est-il passé? Très sincèrement, je ne sais pas. Je me tenais si près que ma main le touchait presque. Ensuite, je sais que je me suis retrouvé sur la place dans la voiture et le caporal reste versé un baquet de flotte sur ma tête. Vous savez pas ce que ce gredin de Zorro voulait me faire croire? Il m'a dit à moi que mes bons amis, le seigneur Quintana et le pauvre seigneur Fuentes, voulaient me tuer par derrière. Ah, vous croyez que j'allais avaler de telles sornettes?